Bienvenue dans ce bibliogrille de fin d'année. Donc la fin d'année, les fêtes approchent. Donc nous avons pensé jeux, jouets, cadeaux, étrennes peut-être. Et pour explorer le lien entre tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenantes. Et pour la première fois, une intervenante qui n'est pas du monde des bibliothèques, mais qui peut donner un sacré coup de pouce. Donc Christelle Carte, qui est responsable des médiathèques intercommunales Fère-Champenoise-Conantre, qui nous expliquera son projet d'une offre de jeux en bibliothèque. Donc c'est une communauté de communes du Sud Marnais, c'est 14 communes, 5500 habitants, mais que cette réalité ne vous induise pas en erreur, le dispositif qu'on va présenter peut aussi s'appliquer à d'autres types de territoires. Donc Christelle est en charge de bibliothèques et son propos sera complété par celui de Roselyne Portelette, de la CAF de la Marne pour le côté subvention du projet de Christelle. Donc on va commencer par toi Christelle, si tu veux bien, pour que tu nous expliques comment est né ce projet de ludothèque, dans quel contexte il s'ancre et autour de quel objectif il s'articule bien sûr. Je te laisse la parole, merci. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Et oui, effectivement, lors de mon arrivée en janvier 2021 aux médiathèques de Conantre et Fère-Champenoise, la médiathèque possédait déjà une dizaine de jeux à peu près. Mais étant maman de 6 enfants et ayant travaillé dans le secteur de l'enfance, je trouve que le jeu a un rôle primordial, éducatif, culturel, pour un apprentissage et un développement de l'enfant. Donc, il me tenait à cœur de développer cet espace. Il propose aussi avec son rôle social de favoriser la sociabilisation et la coopération. Il permet aussi des échanges, des rencontres. Il permet aussi de fixer des règles et de les insérer dans la vie sociale. Et il a aussi un rôle culturel. Alors, le rôle culturel du jeu de société ou des jouets, ce qui nous permet d'accueillir différents publics. Il diversifie aussi par son initiation au monde. Et je trouve que c'est un beau combat des inégalités sociales en matière d'accessibilité au jeu. Et c'est pour ça que nous voulions proposer au sein des médiathèques un espace ludothèque plus riche, plus diversifié, avec des horaires adaptés en fonction des publics, que ce soit les enfants, les nounous, les écoles et tout ce qui entoure l'intergénérationnel avec les papis, les mamies et les familles. Voilà. D'accord, donc vous portez ce projet et vous réalisez que ça va vous coûter cher, peut-être. Alors vous cherchez tout à fait. Donc c'est là tout que vous avez connaissance d'une aide possible de la CAF. Comment ça se met en place ? Alors, en fait, j'ai rencontré Roselyne Portelette lors d'un autre service auquel je participais. Nous étions en train de vouloir développer la ville de Fère-Champenoise avec un projet de convention territoriale globale. Et donc, j'ai rencontré Roselyne Portelette lors d'une réunion. Et donc, j'ai expliqué un peu mon développement de la culture au sein des médiathèques. Et quand on a parlé jeux de société, ludothèque, Roselyne, du coup, m'a parlé de cette subvention ludothèque et comment elle pouvait m'apporter son aide, son accompagnement, autant administratif que financièrement. Et voilà, ça a commencé comme ça. D'accord, donc aujourd'hui, c'est nous qui rencontrons Roselyne. Et donc, Roselyne, est-ce que vous pouvez nous tenir à peu près le discours que vous avez tenu à Christelle au moment de votre rencontre et donc nous présenter un peu le dispositif, les conditions à réunir, etc. Alors, je crois que vous avez un support. Parfait. Alors,
Déjà, je vais reposer un petit peu le cadre, mais Christelle l'a bien fait. On s'est rencontrés effectivement lors des négociations pour la convention territoriale globale. Et comme sur la communauté de communes du Sud-Marnais, tout était à construire, qu'il y avait des choses qui étaient faites, mais qui n'étaient pas forcément mises en valeur, ou il manquait du financement. Donc, on s'est dit, ben, on va essayer de faire quelque chose pour accompagner la communauté de communes et la commune. Mais là, en l'occurrence, les médiathèques sont d'une compétence intercommunale, donc on soutient la communauté de communes. Donc, je vous ai fait une petite présentation de la ludothèque telle qu'on la conçoit au niveau de la CAF. Alors, je voulais vous dire en préambule que tout ce que je vais vous dire au jour d'aujourd'hui était valable pour l'année 2022, mais que l'année 2023 est l'année du renouvellement de notre convention d'objectifs et de gestion, et que ce que je vous dis aujourd'hui peut évoluer d'une façon ou d'une autre au cours de cette fameuse convention d'objectifs et de gestion qui couvrira la période 23, 24, 25 et 26, 4 années en fait. Okay. Voilà. Alors, la ludothèque, de la conception du projet à l'accompagnement financier. Donc, qu'est-ce qu'une ludothèque? Déjà, dans un premier temps, les ludothèques sont des équipements culturels qui mènent des actions autour du jeu en tant que pratique. L'acte de jouer est... Excusez-moi, je ne vois pas en fait, donc je vais reprendre... L'acte de jouer est en tant que patrimoine, les jeux et les jouets, jeux sur place, pré-animation, conseil, formation. Ce sont des lieux ressources gérés par les ludothécaires, ouverts à toutes et à tous, qui ont pour mission de donner à jouer, d'accompagner les mises en jeu, de diffuser la culture ludique et de préserver le jeu de toute récupération. Elles accueillent ensemble des publics de tout âge, et ça c'est très important au niveau de la caisse d'allocation familiale, et sont ouvertes aux collectivités les plus diverses. Écoles, crèches, centres de loisirs, institutions spécialisées, elles proposent du jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil. Ce sont des lieux ressources pour les parents et les professionnels. En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques. Donc, au sens de la CAF, elle est ouverte à tous. Elle organise des ateliers jeux, elle propose le prêt de jeu, le ou la professionnelle en charge de la ludothèque assure l'animation des ateliers et le conseil auprès des familles. Le rôle social d'une ludothèque, Christelle l'a déjà dit, donc j'ai l'impression de faire un petit peu du... Oui, mais on peut passer vite là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, vous parlez d'une ludothèque et nous, on parle d'une bibliothèque. Une bibliothèque qui s'ouvre sur des missions de ludothèque. Mais donc, c'est, pour vous, ça ne fait pas de différence finalement. Ben, il faut quand même que y ait un projet ludothèque quand même. Voilà. Hein, vraiment les critères un coin, que vous venez... une animation. Voilà, les critères que vous venez d'énoncer, même si c'est dans une médiathèque, une bibliothèque, à partir du moment où les critères sont respectés, pour vous, vous avez affaire à une ludothèque, c'est ça? Il faut vraiment un endroit jeu et qu'il y ait des animations entre les parents, les enfants et les grands-parents ou même les assistantes maternelles. D'accord, donc toutes ces conditions sont réunies et donc là, vous pouvez subventionner. Voilà, c'est ça. Donc, alors, je vous avais présenté nos ludothèques sur la Marne. En fait, il y en a 4, mais c'est pas... Voilà. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va peut-être passer un peu vite. Oui. Alors, un réseau à développer au sein de notre territoire de la Marne. Mais bon, entre la CAF et les territoires, dès la création d'un nouveau projet afin d'en assurer le suivi et d'optimiser les modalités d'accompagnement financier, entre la CAF et la BDM... Bibliothèque départementale de la Marne.
afin de recenser l'existant, l'émergence de nouveaux projets et de nouer un partenariat solide au profit des équipements du territoire, entre le territoire et la BDM, pour partager les ressources de la BDM en prêt de jeu et de formation, et développement du partenariat, participation et inscription de l'action dans le REAP. Alors, le REAP, c'est une action qui est financée par la Caisse d'allocation familiale au titre de la parentalité, et en lien avec les autres services aux familles du territoire. D'accord. Donc là, ce qu'on voit quand même, c'est que vous, là, vous avez accompagné une communauté de communes, mais ça aurait pu être départemental, votre accompagnement. Ça aurait pu être la bibliothèque départementale directement. En fait, plusieurs échelles sont possibles. Et vous pensez globalement alors, le territoire. La bibliothèque départementale à son niveau, non, je ne pense pas. Je pense que c'est plus des projets sur des territoires bien ciblés. D'accord. Très bien. Alors, donc, voilà, concrètement, là, on est dans le concret, j'ai l'impression. Ouais, c'est donc faire une étude de besoin et de faisabilité, s'assurer du soutien financier de la collectivité. Effectivement, si la collectivité ne finance pas le projet, nous, on ne peut pas accompagner, en fait. Oui, donc c'est une répartition, c'est un pourcentage. Christelle, vous aviez aussi un financement. Hein. Oui, par la communauté de communes. Ouais. Donc, Roselyne, il y a un pourcentage ou comment vous calculez les choses? Alors, il y a plusieurs fonds. Donc, on va passer à la slide suivante où ce sera expliqué. Donc, d'accord. Au niveau de l'investissement, on peut accorder une aide à hauteur de 40% du coût total du projet pour l'aménagement et l'équipement de la ludothèque, mobilier, d'accord, jeu sur fonds propres. Okay. Au niveau du fonctionnement, lorsqu'il y a une convention territoriale globale de signer sur le territoire, on peut accompagner à hauteur de 10 heures par heure nouvelle d'ouverture par an. 10 euros, oui, pardon. 10 euros par heure nouvelle d'ouverture et par an au titre du bonus territoire. D'accord. Et après… les demandes de subventions d'investissement et de fonctionnement, donc elles sont à déposer avant le 30, pour nous, hein, parce que on a, chaque CAF a un règlement intérieur. D'accord. Donc, okay. Pour nous, CAF de la MAP, les demandes sont à déposer avant le 31 décembre de l'année N pour un financement en année N plus 1. D'accord. Dans le cadre du renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF en 2023, les nouveaux projets seront éligibles à un financement CAF à compter de l'année 2024. Oui, tout à fait. Et ça peut être différent. Il conviendra donc de travailler le projet en amont afin de déposer la demande avant le 31 décembre 2023 pour un financement en 2024. D'accord. Donc là, il y a un peu de latence. Mais excusez-moi. Non, c'était coupé. Pour savoir combien de temps ça avait pris pour Christelle et son territoire à elle d'avoir de. Alors, vous avoir rencontré, combien de temps entre elle vous rencontre, le dossier se fait et la subvention arrive. Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que c'est une charge administrative lourde? Qu'est-ce que vous avez à mettre en place comme outil, comme suivi, comme évaluation? Alors, pour répondre à la question, on a commencé à travailler sur le projet avec Christelle en 2020. D'accord. Une année particulière, s'il en est. Voilà, une année particulière. Donc, ça a été, je ne vais pas dire que ça a été complexe, mais bon, ça a pris du temps, en fait. Ça pouvait être plus rapide. Ensuite, en 2021, on a retravaillé sur le projet. Et en fait, Christelle a monté un dossier de subvention en avril 2022. C'est passé au niveau de notre commission d'action sociale en septembre ou octobre. Et je pense que les financements ne sont peut-être pas encore arrivés, mais ils vont arriver d'ici la fin de l'année, puisqu'il faut que tout soit payé d'ici la fin de l'année. Donc, voilà. D'accord, donc, en fait, on peut compter deux saisons, moi, si ce n'est trois, quoi. Voilà, c'est ça. Pour un dossier qui est déposé en début d'année, les financements, ils arrivent en septembre, je vais dire. Mais d'accord, c'est peut-être spécifique au fonctionnement de la CAF de la Marne. Il y a d'autres. D'accord, oui, on a bien compris cette réserve, effectivement, que votre calendrier vous est propre, est propre à votre fonctionnement. Alors, Christelle, ça. Alors, d'abord.
je voudrais juste un petit retour sur est-ce que c'est lourd administrativement ou pas, ou ça doit être précieux d'avoir Roselyne pour vous aider à tenir le stylo quand on remplit les dossiers. Et puis après, très concrètement, combien d'argent ça vous a rapporté et voilà, est-ce que ça vous a permis de faire? Alors oui, c'est précieux d'avoir Roselyne Portelette avec moi parce qu'elle est toujours là pour la moindre question et nous accompagner parce que oui, dans tous les projets, il y a quand même une charge administrative. Après, pour le total, je ne sais pas encore puisque ce n'est pas moi qui ai eu les documents. Peut-être que Roselyne peut me dire de combien, le montant total parce que je n'ai pas eu encore. Et pour les projets, c'est une vraie surprise de Noël alors. Tout à fait. Et puis pour les projets, ben, grâce à cela, je vais pouvoir lancer mes soirées. Voilà, moi, pour moi, il était important de vraiment créer aussi des soirées par trimestre, donc des soirées de jeux de société, de pouvoir, parce qu'alors moi, il y a des prêts sur place, au départ, c'était des prêts sur place, maintenant, il y a des prêts aussi à domicile, après, on fait aussi des ateliers spéciaux jeux de société à chaque projet, et moi, il était vraiment important qu'on puisse faire vraiment des soirées où on puisse rencontrer tout le monde, les tout-petits, les parents, les grands-parents, les assistantes maternelles qui viennent et qui retrouvent leur petit loulou. Vraiment que tout le monde puisse participer à cette soirée, donc soit un vendredi soir, soit un samedi soir, ou même sur un week-end. Donc, d'accord, grâce à ce projet. D'accord, grâce à ce projet, mais en même temps, la subvention, elle ne paye pas des heures de travail en soirée, par exemple. Elle paye des jeux, des jouets. Les jeux, ouais, des mobiliers. Et le mobilier, il y a la subvention, voilà, ce qu'on appelle la subvention d'investissement, donc qui, elle, effectivement, paye les jeux, le mobilier. Et après, on a le bonus territoire qui finance à hauteur de l'amplitude d'ouverture de la ludothèque. D'accord. Mais quand on dit amplitude d'ouverture, on compte aussi les différents ateliers, les soirées, Donc même les accueils de groupe, par exemple, en dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque, ça en fait partie. Bah, les accueils, ils sont souvent quand même sur l'amplitude de la bibliothèque. Oui. Sauf les soirées. Il y a juste des ateliers qui sont faits en soirée, mais ça, on le prend en compte puisque c'est vraiment le cœur de vie de la ludothèque. Tout à fait. Je me demandais, Christelle, si vous n'aviez pas eu la subvention, vous auriez pu néanmoins mettre en œuvre votre projet ou ça a été vraiment décisif pour votre collectivité? Ça a été décisif parce que effectivement, on voulait développer l'espace ludothèque, mais pour cela, il faut vraiment un fonds de jeu important, puisque pour le moment, sur les deux médiathèques, on doit avoir une soixantaine de jeux. Mais sachant qu'on les prête régulièrement et les prêts sont demandés quotidiennement, faut savoir que sur les deux médiathèques, on est ouvert du lundi au samedi. Donc, tous les jours, je prête des jeux. Donc, des fois, je me retrouve, j'ai plus de jeux, en fait. Il doit m'en rester 2-3 en réserve. Donc, effectivement, sans l'aide de la CAF, on ne pourrait pas proposer d'autres jeux. On ne pourrait pas proposer des soirées. Et surtout, à travers nos actions, on a de plus en plus d'adhésions, de familles. Après, on a aussi des services qui se rouvrent avec les relais d'assistantes maternelles, les mâmes en dehors. Et du coup, qui viennent en dehors avec leur famille. Donc, du coup, on ne pourrait pas du tout... pouvoir proposer tous les jeux, les jouets. Donc non, heureusement que la CAF peut nous apporter. Et moi, ça me permet aussi d'augmenter mon temps de travail. D'accord, mais alors là, on a presque l'impression que vous êtes victime de votre succès, que les rayonnages sont vides. Et Roselyne vient de nous dire que alors à moins que votre collectivité vous subventionne sans l'aide de la CAF, il va falloir attendre 2024 pour racheter des jeux et pour développer encore les choses. Comment est-ce que vous vous projetez? Eh bien, en fait, dès qu'il y a le financement qui ne devrait pas tarder à arriver, hein, Roselyne vient de le dire et moi aussi, ma direction me l'a dit, dès qu'on reçoit le financement, nous allons acheter nos jeux et nous allons proposer, vous voyez, on va faire une grande action. Donc là, je donne l'info en première, en avant-première, on va faire une soirée jeux de société pour le jour des vacances au mois de février, le vendredi soir, on va faire une super soirée de jeux de société. Et voilà, donc là, ça ne sera pas en médiathèque, on va le faire en salle des fêtes parce qu'il y aura plus de demandes. Je n'aurai pas assez de place en médiathèque. Donc, vous voyez, c'est vraiment un chouette projet. Donc,
On a Oui, hâte. on sent que ça fait vivre vraiment un territoire et travailler À fait. l'intergénérationnel en plus de tout le reste. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Ah, alors, si, les questions commencent à arriver. D'ailleurs, c'est le moment de dire à ceux qui nous suivent en direct que n'hésitez pas, allez-y, profitez de la présence de nos collègues. Après, vous pourrez les joindre par ailleurs, mais c'est le moment. Donc, est-ce que la CAF finance la formation des bibliothécaires au métier de ludothécaire? Alors, ça, c'est un petit peu une question en piège, j'ai envie de dire, parce Une très bonne question, que. donc. Non, mais parce que je n'ai pas eu le cas concret, Ah. mais je pense qu'il est possible, si ça s'inscrit vraiment dans un projet, qu'il y ait une attention particulière. Mais après, tout cela dépend quand même de nos administrateurs, parce qu'en général, ce sont nos administrateurs qui valident les demandes de subvention. Mais je crois que dans le FPT, effectivement, on peut prendre en compte le financement de la ludothécaire. D'accord, donc c'est un peu à la carte, c'est ça qu'on comprend. Oui. Quelqu'un d'autre voudrait savoir, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été très explicite là-dessus, combien de temps exactement dure cette subvention et comment, enfin, ça rejoint un peu ce que je demandais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut pérenniser les choses? Est-ce que c'est envisageable de demander plusieurs années de suite Parce que là, si vous lancez Oui, des soirées avec un énorme succès, il va falloir continuer quand même. alors, au niveau de l'investissement, oui, on peut redemander une subvention autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de Il n'y a pas de limite dans limite. le temps. D'accord. Non, par contre, la subvention, ce que j'appellerais de fonctionnement, qui est liée au bonus territoire, elle est versée Une année, une sur fois. la périodicité de la convention territoriale globale. Et il faut savoir que cette convention territoriale globale a été signée, ou tout du moins elle va être signée très prochainement, avec 1095 heures d'ouverture à l'année. Ouais. Donc on n'ira pas au-delà. Si par hasard la ludothèque ouvrait 2000 heures, nous on est bloqué pour le moment à 1095 heures. Hein. D'accord. Ben oui, vos ressources non plus ne sont pas extensibles, j'imagine. Donc la CAF est organisée par département. Donc dans chaque département, vous me disiez en off que vous étiez réparti le territoire, vous, entre collègues. Je ne sais pas comment c'est dans chaque département, mais qu'un collègue voudrait savoir comment entrer en contact avec le référent de notre département, parce que cette information, ils ont du mal à le trouver sur le site de la CAF. Donc concrètement, comment on fait, qui on appelle, à quelle porte on Alors, frappe? il faut se rapprocher des services d'action sociale des différentes CAF et Service d'action sociale, OK. oui, et il doit y avoir dans chaque CAF un sous-service qui s'appelle développement et territoire. D'accord. Il a peut-être pas exactement la dénomination développement et territoire, mais il a au moins le terme territoire à son actif. D'accord. Et est-ce que cet accompagnement particulier des ludothèques, quel que soit l'endroit qui les accueille, existe partout en France? Est-ce que c'est là aussi une... J'ai pas l'impression que ce soit une particularité de la Marne, mais est-ce que ça existe partout? Quand on regarde sur le site de la CAF, on a vraiment l'impression que c'est un dispositif national, mais finalement, on a un doute. C'est un dispositif qui était au cours de notre dernière COG, donc qui se termine au 31 décembre 2022, qui était donc un dispositif qui émergeait. Donc au renouvellement de notre fameuse convention d'objectifs et de gestion, je ne sais pas si les financements vont être maintenus ou s'ils vont évoluer favorablement avec la création éventuellement d'une prestation de service à l'acte, donc en fonction des heures d'ouverture. Mais ça, au jour d'aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous le dire. D'accord, parce qu'on a eu un Précédemment, témoignage. on lançait ces ludothèques, mais je suis très prudente sur l'avenir, en fait, hein, parce que je ne suis pas du tout aux commandes, je n'ai pas d'informations, je ne peux rien dire là.
Roselyne, votre caméra vient de bouger, on ne vous voit quasiment plus. Oui, elle a bougé, ma caméra. D'accord, parce qu'on a quand même eu un témoignage d'une collègue d'une ville de 30 ou 40 000 habitants du Nord qui avait ce financement depuis 2018-2019. Donc, c'est pas non plus… Enfin, c'était peut-être une expérimentation dans le Nord. Bon, ça sera peut-être un petit point à explorer. Ben, on était à la phase d'expérimentation. Oui, d'accord. Donc, vraiment, faut que chacun se rapproche de la CAF pour savoir où ils en sont. Mais ce qui est certain, c'est que la CAF s'intéresse à la dimension jeu dans le lien familial, dans l'insertion sociale, etc. Voilà. Une petite question, c'est un peu pratico-pratique, avant de vous reposer une autre question à laquelle, enfin, qui me pose question, mais je vais quand même vous la retranscrire. On pourra récupérer votre support de présentation, Roselyne, et le mettre en lien sur le site ou pas? Oui. Oui, d'accord, oui. Bon, très bien. Eh ben, on en parle après. Oui. Alors, quelqu'un pose une question que je ne comprends pas, mais je vous la retranscris. Que pensez-vous de l'association RAM, LAEP et Ludo dans un même espace? Donc, je suppose que ce sont des sigles. Alors, RAM, c'est Relais Assistante Maternelle. D'accord, merci Christelle. Remplacé maintenant par les RPE. RPE. Relais Petite Enfance. Le deuxième, je n'ai pas entendu, c'est LAEP. LAEP. LAEP, lieu d'accueil enfants-parents. Oui. D'accord. Et Ludo d'accord. dans un même espace. Donc, en fait, à partir de… Enfin, bon, je ne vais pas répondre à votre place, mais… Donc, est-ce que tout ça peut faire partie du même espace? Et donc, j'imagine que chacun a des subventions différentes. En fait, ça doit être ça un peu la question. Est-ce qu'on peut cumuler les subventions de la CAF? Je pense que c'est ça la réelle question. Est-ce que… il faut que chacun des dispositifs, on va dire, soit quand même bien ciblé et bien distinct. Parce qu'on ne peut pas verser pour un seul et même espace une prestation de service RPE, une prestation de service LEP et une subvention de fonctionnement ludothèque. Il faut vraiment que chacun ait des projets bien spécifiques. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, par exemple, si on prend l'exemple de Christelle qui veut faire une soirée, une grande soirée autour du jeu, les personnes qui fréquentent le LAEP et le RPE peuvent très bien, à ce moment-là, se rallier à cette soirée. Mais il faut vraiment que les dispositifs soient bien spécifiques. Parce qu'on ne peut pas accorder plusieurs subventions sur un même espace, en fait. On peut avoir ces trois, le RPE, le LAEP et la ludothèque dans un même espace, je vais dire au niveau bâtiment, par exemple, dans un tiers-lieu. Mais il faut que chacun ait bien son projet bien spécifique. Projet spécifique, c'est les projets qui sont spécifiques plutôt que les lieux, quoi. Hein, c'est ça qu'on comprend. Oui, parce que, je voulais aussi… qu'est-ce qui arrive, mais quand même, parce qu'il y a beaucoup de, il y a un petit mouvement de fond là où on voit des ouvertures d'établissements hybrides qui regroupent et des bibliothèques et des centres sociaux. Et là, il est évident que la question des subventions, elle se repose comme ça. Et donc, c'est vraiment sur des projets identifiés parce que c'est votre mode de fonctionnement. Alors, quelle heure il est? Peut-être une dernière question, avant-dernière, je ne sais pas, on va voir. Est-ce que le projet de labellisation des ludothèques porté par l'ALF, donc l'Association des ludothécaires de France, je suppose, ou des ludothèques, je ne sais pas, aura des incidences sur les subventions CAF? C'est-à-dire enfin, j'imagine que les critères sont plus ou moins les mêmes, mais… Ça apportera une qualité, en fait. Donc, je pense qu'on sera bienveillant aux ludothèques qui sont labellisées par l'ALF. Oui, parce que les critères devraient être… Peut-être les mêmes. Alors, on me demande, la collectivité du Nord qui a une aide de la CAF, je la mettrai sur le site parce que c'est… Ça ressemble à Waterloo, mais c'est pas ça, j'ai un petit trou, je suis désolée. Mais je crois que la collègue est en ligne, alors si peut-être elle peut mettre la réponse dans les échanges, sinon je le mettrai plus tard, je m'excuse pour elle. Je ne connaissais pas cette ville avant de… Voilà, donc je ne l'ai pas mémorisée.
Donc voilà, une attention particulière aux définitions de ce qu'est une ludothèque par la CAF pour pouvoir, avant d'entamer la moindre démarche, effectivement, et pour pouvoir juste un petit ordre d'idées financiers, parce que alors là, j'imagine que c'est quand même proportionnel au territoire et puis au projet. Et la collègue de cette ville du Nord, là, qui est plutôt dans une ville vraiment beaucoup plus grande que la vôtre, ça ne doit pas être les mêmes montants. Vous, en gros, même si vous ne savez pas là exactement, on parle plutôt de 2000 euros, de 5000, de 10 000? Mais ça dépend en fait la demande du porteur de projet. Nous, c'est plafonné à 40%. D'accord. D'accord, voilà. Donc, mais ça ne dit pas vraiment, mais peut-être Christelle, si votre projet il était dimensionné à combien? En fait, moi, j'ai fait une demande de projet, alors hormis le bonus territoire, que sur l'achat de jeux de société. Donc, il me semble que le devis devait être de 2400, 2500 euros, quelque chose comme oui, ça. Vous avez été modeste, c'est un début. Et puis oui, après, j'ai été, vous montrez, hein. J'ai été sage. Donc, nous demanderons à nos collègues de Waterloos plus de détails et on pourra mettre ces informations en documents associés sur notre site BPI Pro. Vraiment la ultime question, être sûr que ces critères de définition de ce qu'est une ludothèque, ça c'est partagé au niveau national, c'est pas spécial, oui. C'est pas une définition de la main. Non, ça c'est national. Ok, très bien. Je crois qu'on a quand même pas mal débroussaillé le terrain, qu'on en sait un peu plus et que voilà, on ouvre des perspectives. Si c'est avant le 31 décembre dans d'autres territoires, il va falloir faire très très vite, sinon ça reporte d'un an. Voilà, bah, j'espère que ça incitera de nombreux collègues à se pencher sur la question, soit pour aller vers l'ouverture d'espaces ludothèques, se rapprocher de leur ludothèque, aller vers des fusions ou d'autres projets encore, et qu'en tous les cas, ces espaces de jeux fleuriront grâce à la CAF encore plus partout sur le territoire. Je vous remercie toutes les deux, Roselyne et Christelle. Je remercie évidemment tous mes collègues de la BPI et en particulier ceux de la régie qui nous ont particulièrement bien, n'est-ce pas, Roselyne, accompagnée ce oui, matin. Oui, très bien. J'espère avoir d'autres occasions d'être en contact avec vous et je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Merci beaucoup. Merci bonne fête à de fin vous d'année. Aussi. Merci. Bonne fête de fin d'année.